Salut à tous, bonjour, bon samedi à tous. Bah ouais, désolé pour l'horaire. D'habitude, je fais ça à 14h, mais là j'avais du boulot. J'avais des clients ce matin, donc. Ouais, je peux pas planter mes clients pour leur dire j'ai la minute spatiale à faire au prix où ils me payent. Voilà, hein, ils peuvent me balader en laisse avec une boule noire. Techniquement, ils ont le droit, vous voyez? Donc ouais, le boulot avant tout. Mais bon, il s'est passé pas mal de choses cette semaine. Et bah c'est bien de. Voilà, j'avais un peu. Bon, malheureusement, Ten Green n'est pas là. Il n'était pas dispo cet après-midi, il est dispo généralement qu'en début d'après-midi. Et on va s'arranger, on va s'arranger. Ouais, donc on a eu une bonne semaine. Comment va le plus? Je pète la forme, moi, toujours. Toujours. Glacial. La musique, c'est Stellaris, c'est complètement. Stellaris. La musique de Stellaris, elle est parfaite pour ça, le côté un peu sci-fi, agressif et tout. Bon, écoutez, il y a de la news. Ne tournons pas autour du pot. Parce que après j'ai les qualifications du Grand Prix du Mexique, j'avais la sprint juste avant, vous voyez. J'arrive à mettre ma minute spatiale entre la Formule 1. Écoutez, chacun ses plaisirs de boomer, hein, n'est-ce pas? Et voilà. Bon, la semaine dernière, on avait une longue marche de F au pad pour une rotation de Tiangong, la Chine. Et c'est vrai qu'on n'avait pas les noms des taïkonautes. Bah forcément, on les a quand même eu juste avant le tir, hein. Commandeur Kai Tsukse. Donc c'est Chenzhou 19, hein. Chenzhou 18 est là-haut et on va avoir sûrement la rotation cette semaine. On a Song Liandong et Wang Haoze. Voilà, c'était notre équipage. Et on va regarder un petit peu la... Mais on est habitué à regarder SpaceX, la com de SpaceX. On va regarder un petit peu la com chinoise. Parce que les Chinois, comme je le répète souvent, la com chinoise a explosé depuis quelques années. Avant, c'était vraiment très secret tout ça. Et aujourd'hui, ils nous montrent ça avec des streams en anglais et tout. C'est génial, hein. On est content d'avoir de la com, hein. Alors, attendez, je vais vous mettre le son dans le casque. Ça va peut-être vous faire sourire un peu, mais il faut pas oublier que par exemple pour l'Inde et la Chine, il y a une énorme dimension un peu patriotique et nationaliste. Et voilà. Donc on met ça en avant. C'est un symbole un petit peu d'unité, de fierté nationale. Donc c'est normal que vous ayez ce qu'on a peut-être un petit peu moins. Et encore, aux US, on a aussi un paquet de drapeaux et tout. Ça joue toujours sur cette corde-là. Hein. Regardez ça, attendez, je vais couper ma zik de Stellaris. Matez-moi un peu ça. Hey. Tous les taïkonautes derrière. La fanfare, les mecs. On est avant le tir, hein. On est juste avant le tir, hein. Mais c'est comme ça que vous faites des vocations. And that would be Dernier crucial boss, ne dites surtout for pas the les group scores. that's waiting now. Hein. And then Dites that surtout pas would les be scores. Le premier qui met les partial scores, je le ban. loss for Direct. Hein. Taisho, the commander. Moi, je peux pas regarder les Worlds. Je veux pas être spoil de la finale. Insta ban. Hein. So we have just under 3 hours to go until Donc vous that avez launch, 3 heures and this is de the live comme ça et nous on va aller directement au preparation tir. stage Hein. where we'll be setting off, On est là pour voir le meeting all the tir. audience there to J'avais turn them mis à off, wishing them good luck. 2,50. Some of their family members will attend this Donc ouais, vous avez ceremony. le stream en anglais avec un chinois qui parle super bien. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bien kitsch la musique, arrête. Allez, le petit salut militaire au décollage. Une marche de F, ils font tout leur vol habité avec cette fusée. And the tower is cleared now. I counted as well after the ignition. About two C'est cool de pouvoir voir ça en live, d'avoir des modifs et tout parce que. C'est quelque chose que la Chine ne faisait pas il y a encore quelques années. Autant de communication et de promotion autour de ces vols, surtout ces vols habités. Ça lag pas mal Twitch. Tout avait du mal. Ah, ça peut arriver. Hein. Allez sur YouTube sinon. Je suis en live sur YouTube et YouTube n'a peut-être pas de problème. Ceux qui lag, vous allez sur YouTube. Je me fais chier à faire. Now we can see that on the right of the screen is the camera Eh, c'est bien de voir qu'il y a du multi streaming. Tant que plus il y a de stream sur l'espace, mieux c'est. Simple, hein. Bon, en tout cas, on a eu le vol s'est bien passé. Le vol s'est bien passé et on a eu quelques heures plus tard. C'est une trajectoire assez directe, Shenzhou.
On a eu les six taïkonautes. Donc généralement, la Tiangong est fait pour, n'est pas fait pour six personnels. Donc là, la semaine prochaine, j'ai pas vu de date, mais on va sûrement avoir Shenzhou 18 qui va redescendre. Voilà. Mais généralement, il reste une semaine à 6 ensemble. C'est là, généralement, qu'on a les records de personnel. Parfois, on a les records de personnel en orbite basse. C'est quand on a les rotations de Taïkonautes avec le personnel de l'ISS qui est au maximum. Avec peut-être à ce moment-là une autre mission, allez savoir, SpaceX qui fait une mission privée ou un truc comme ça, et on arrive à avoir pas mal de monde en orbite basse. Voilà. Bah, si Templier, t'as qu'à rien dire dans le chat et tout le monde s'en fout de ton nom et ton prénom. Quel poulet. Donc, ouais, une grosse semaine pour la Chine. Ça s'est bien passé en tout cas. Donc, on est toujours content que ça se passe bien. Et voilà. Hein. Hop. À propos de Bezos, à propos de Jeff Bezos et de Blue Origin, eux aussi ont une grosse semaine. Puisque la semaine dernière, on avait eu la photo des moteurs. La photo du premier étage de la New Glenn et de ses moteurs dévoilés, les 7 moteurs BE7, BE7 putain, BE4, et ils ont fait le. Donc, ce qui a indiqué un rollout imminent, ils sont censés tirer en novembre, même si on n'est pas sûr. C'est quand qu'ils rentrent? Retour sur Terre ce lundi 4, ok, voilà. Donc, c'est généralement, ils restent pas longtemps à 6 à bord de Tiangong. Donc, ouais, ils restent quelques jours plus. Donc, ouais, c'est. Ouais, lundi, mardi, ok. Donc ouais, matez-moi le premier étage de la New Glenn. C'est la première fois qu'il sort. C'est la première fois qu'on a une New Glenn assemblée. Donc c'est. On vit une époque incroyable. Hein. Vous savez, des nouvelles fusées, il n'y en a pas beaucoup qui sortent. C'est très rare d'avoir des nouvelles fusées. Et là, vous avez, en l'espace de 1 an, vous avez la Vulcan, vous avez la New Glenn, vous avez Starship, vous avez Ariane 6 aussi qui a volé. On vit une période exceptionnelle en termes de nouveaux lanceurs, une nouvelle génération qui arrive. Et la New Glenn a aussi beaucoup d'ambition. Ils veulent réutiliser du premier coup ce premier étage. Écoutez, c'est Blue Origin. Moi, j'attends qu'ils aillent en orbite. Et s'ils récupèrent en plus leur premier étage, je serai le premier à applaudir et à dire bravo. Voilà, j'ai toujours dit. Mais pour le moment, va peut-être falloir aller en orbite depuis 25 ans là, hein, les mecs. Tu as la rumeur de Boeing, c'est pas une rumeur, hein. C'est pas une rumeur. Boeing en effet veut, on le sait, ULA est à vendre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de ça. Et Starliner, c'est un gouffre à fric. Mais personne va vouloir racheter Starliner. Qui voudrait racheter toute la branche de programmabilité de Boeing? C'est un gouffre à fric. Ils font pas rentrer d'argent. Les mecs sont toujours en déficit. Personne va vouloir racheter ça. C'est pas intéressant. C'est généralement quand tu rachètes quelque chose, c'est pour peut-être en faire des thunes, quoi. Là, à moins de dégraisser le mammouth, et même en dégraissant le mammouth, c'est juste trop tard. Starliner aujourd'hui ne fera jamais d'argent. Ce n'est pas possible. Les premiers vols de Starliner, potentiellement, ça sera en 2026, mais la NASA va peut-être demander une nouvelle certification. Ils sont prêts peut-être à aider en faisant une demi-certification, en leur faisant juste des vols de ravitaillement, mais c'est pas assez. Pour faire ça, Boeing, à un moment, ils ont eu un changement de management, ils ont changé de CEO, ça va peut-être tirer la prise. Ça serait une grosse honte, mais je veux bien racheter. Je suis pas sûr que ton. Si t'es ici, je suis pas sûr que ton porte-monnaie soit suffisant pour racheter Starliner et tout le programme habité. Hein? T'as combien de milliards en stock là? Il y a une seule source du Washington Post. Ouais. Après, le Washington Post, ça appartient à Bezos aussi. Mais bon, à voir. À voir. Mais on sait que c'est un problème pour Boeing. Après, Boeing, ils ont de l'argent. Hein. Là, ils font une levée de fonds. Ils vont sûrement récolter plus de 20 milliards de dollars. Boeing, je sais qu'on casse beaucoup de sucre sur eux en ce moment. Boeing a de l'argent. Et ils n'ont pas encore de problème à lever de l'argent. Mais ils sont dans une passe difficile, sans aucun doute. Ça, c'est clair. Donc ouais, la New Glenn, en tout cas la New Glenn est magnifique. Je suis le premier à casser du sucre sur Blue Origin, mais la New Glenn avec ses 7 moteurs BE4, elle est belle. Et on attend tous avec impatience de la voir au pad. Et s'ils arrivent à la récupérer du premier coup et à faire un beau vol, récupération du premier coup, ça serait vraiment un sacré bond en avant pour Blue Origin. Et ça les mettrait sur les bons rails pour la suite du programme en tout cas. À propos de Blue Origin, vous vous rappelez, il y a même pas un mois, donc là c'est le premier étage, mais ils avaient allumé, ils avaient fait un feu statique du deuxième étage
avec les moteurs BE3. Et il semblerait qu'ils avaient allumé leur système de déluge avec quelques autorisations qui n'étaient pas là. Et ils se sont fait rappeler à l'ordre. Voilà, 31 octobre 2024, département de l'environnement, de la protection de l'environnement. Foutez-moi ces écologistes au goulag. Et ils gueulent parce que, à juste raison, Blue Origin a fait péter son système de déluge et a balancé l'eau sans les autorisations nécessaires. On leur reproche à peu près la même chose que SpaceX à Boca Chica d'avoir balancé de l'eau pure dans une zone humide, ce qui est totalement aberrant. Mais la loi est la loi, et voilà, ça grince des dents autour de ça qu'ils ont utilisé leur système de déluge sans autorisation. Écoutez, moi ça me fait rigoler, mais il y a des gens qui ça rigole pas, voilà. Ils vont sûrement prendre une... Alors, c'est pas grave, hein. SpaceX avait fait la même chose, on leur a tapé sur les doigts, ils ont pris une amende. Blue Origin, vous savez, vous prenez une amende de 2000, 3000, 10 000 dollars, pour ces compagnies-là, c'est que dalle, d'accord? C'est le prix de la machine à café et tout. C'est juste le principe d'avoir de la red tape et de la paperasse, de l'administratif à tous les échelons qui vous empêchent. Peut-être que la licence, là, il y a des rumeurs qui circulent que la licence n'est même pas prête pour la New Glenn. Et que la New Glenn sera prête, mais que la licence sera pas là. C'est des rumeurs, toujours à prendre avec des pincettes, mais on trouve tout ça très drôle. Voilà. Bon, bah, on va pouvoir passer à la minute SpaceX maintenant. Hein. Bah ouais, SpaceX a encore eu une semaine de zinzin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez-moi ça. Les satellites Starlink dans leur coiffe de F9. C'est impressionnant, hein. C'est très très gros, hein. Qu'est-ce que la protection contre l'environnement vient foutre dans le spatial? Figure-toi que Cap Canaveral est une réserve naturelle, une zone humide, et que tu peux pas balancer l'eau des tirs n'importe où. Pareil pour SpaceX à Boca Chica. Et chaque goutte d'eau que tu utilises doit être traquée et réutilisée et bien utilisée. Tu peux pas juste la balancer où tu veux. Je peux te dire qu'il y a un énorme suivi environnemental autour de l'utilisation de l'eau des systèmes de déluge, que ce soit à Cap Canaveral, mais aussi à Boca Chica. Donc ouais, on a eu un très très beau tir de Falcon 9. C'était... Hop là! C'était le 30 octobre! C'était il y a 2 jours? Non, 3 jours? Ouais, 4 jours! 4 jours! Mon ex aussi est une zone humide! Elle ne m'a jamais reproché d'avoir utilisé le déluge! Tout en finesse, hein, le famoso! Hein? T'es fin, toi, hein? La vache! Quel cancer! Bon, ouais, hop! C'était le 201e tir de Starlink. Vous vous rendez compte? On est habitué à voir Starlink tirer souvent. 201e tir! Et ils ont mis en orbite, j'ai les chiffres, au total, 7215 satellites. Et il y en a 6561 en orbite. Vous vous demandez pourquoi Starlink est aussi efficace? C'est entre autres qu'ils sont capables de faire face à la demande grandissante et explosive de Starlink en même temps. Starlink est sur une marge de progression folle aux quatre coins du monde. Et il faut pouvoir tirer beaucoup. Et bah, ils ont fait 201 missions. Enfin, c'est de la folie. Ils ont tiré 201 fois et ils ont récupéré la majorité des boosters. C'est des boosters qui sont réutilisés encore et encore et encore et encore. Absolument incroyable. Donc ouais, on va regarder ce tir de Floride. Voilà. Donc du Starlink, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais on oublie à quel point c'est une performance exceptionnelle. Récupération des boosters et tout ça. Là, c'est en plein jour. Quand c'était en pleine nuit, on regardait pas. Mais là, ça fait plaisir, quoi. Tiens, donc Galpin, forcément, toujours dans les mauvais coups. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon, go Starlink. Je sais pas quel booster c'était pour la mission. Je me suis pas renseigné. Ouais, j'étais busy aujourd'hui, hein. J'ai pas le temps d'aller voir le détail. Hein. Stage 1 propulsion is nominal. On va parler un petit peu de Starlink et de Starship surtout. Il y a une énorme news qui est sortie.
qui n'a pas fait les gros titres, mais qui est pourtant extrêmement importante pour SpaceX. Donc ouais, ça vous montre la régularité et l'efficacité désormais de SpaceX pour tirer du Starlink. Et au fur et à mesure qu'ils vont gagner des millions d'abonnés, il va falloir continuer à assumer la demande, donc augmenter la taille de la constellation, mais aussi remplacer les satellites. C'est là où une des raisons que SpaceX met les bouchées quintuples avec Starship, c'est qu'ils ont besoin de Starship pour tirer des satellites V2 de Starlink qui vont permettre de faire un bond en avant en termes de performance. Donc il n'y a pas que, comme on dit, Starship, et il y a un enjeu économique avec Starlink. Ça permet de faire taire les critiques en zone de conflit. Écoute, là, les Ukrainiens sont très contents de Starlink. Souvent, je vois des gens qui disent Musk est pro-russe. Écoutez, Starlink a littéralement sauvé l'armée russe depuis le début de la guerre. Sans Starlink, l'armée russe, elle aurait disparu il y a longtemps, et le pays probablement. Vous imaginez pas l'importance de Starlink au niveau des communications de l'armée ukrainienne en interne. C'est fou. Et c'est vrai que ça a permis très probablement à SpaceX de décrocher de gros contrats avec le Pentagone et avec Starship. Parce que le Pentagone a vu l'efficacité de Starlink sur le champ de bataille, il s'est dit « Ah ouais, mais ça marche votre truc en fait. Bah écoutez, on veut le nôtre. » Voilà, c'est ça. Le Pentagone est prêt à payer cher pour avoir ses jouets. Et on va reparler de Starship à la fin du tir. Ouais, si ça lag, les mecs, vous allez sur YouTube. Hein. Vous allez sur YouTube et puis problème résolu. Hein. Effect chill underway. Starlink aujourd'hui, c'est 6500 satellites opérationnels. Allez, séparation d'étages, Miko, main engine cutoff. Stage separation confirmed. Magnifique. En plein jour, c'est toujours un régal. Hein. Moi, je m'en lasse pas. Hein. Superbe. I'm back ignition. Donc ouais, encore un tir qui s'est très bien passé. On va aller directement à la fin. Hein. On va aller voir l'atterrissage du booster. 111 km. Allez, ça va redescendre. Voilà. Voilà. Allez, on va faire la descente. 56 km. Descente rapide. Ça revient se poser dans les Bahamas. Starlink n'a pas été éteint car Musk voulait rester neutre. Alors, l'utilisation de Starlink a toujours été clairement définie. L'armée ukrainienne n'a pas le droit d'utiliser Starlink à des fins militaires offensives. Et quand les Ukrainiens ont commencé à vouloir utiliser leurs drones de façon offensive en utilisant le guidage de Starlink, surtout les drones maritimes, Starlink a tapé du poing sur la table, Musk entre autres, et a dit « Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est pas dans les clauses. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez avec notre système. » Et ils ont bloqué les drones maritimes ukrainiens. Ils voulaient souvent aller attaquer à la base navale de Sébastopol ou un truc comme ça. Donc voilà, tout simplement. Mais il n'a jamais coupé l'armée ukrainienne de quoi que ce soit. Les gens racontent énormément de conneries sur le sujet. Et si les Ukrainiens ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller trouver un autre pourvoyeur d'Internet par satellite. Hein ? Et ils arrêtent de chialer. Stage 1 transonic. D'ailleurs, l'Europe a passé. Iris 2 a eu un gros contrat cette semaine. Bon, la constellation Iris 2 sera prête en 2030, les mecs. Hein. Vous avez le temps de voir venir, c'est l'Europe. Et encore 2030, c'est optimiste, connaissant les loustiques. Oh là là, hey. La météo était superbe. On a toujours du mal à apprécier les distances avec la mer. Là, on voit le bateau drone qui est juste plus bas. Ah, oh là là, mettez-moi ça un peu. Landing leg deploy. Incroyable. Et hop là, magnifique, classique. Propre, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Stage 1 landing confirmed. Ils font ça avec une facilité
absolument terrifiante. Donc ouais, on parle souvent de Starlink. Et on oublie qu'il y a des... Donc voilà à quoi ressemblent les satellites Starlink, hein, dans la coiffe d'une F9, avant le déploiement. Là, vous en avez une... Généralement, ils en ont plus d'une vingtaine, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Ouais, 21, 22, c'est ça. Donc ouais, satellite Starlink, magnifique. Donc ouais, nous, on va parler du Pentagone. On va parler de Starshield. Ça fait longtemps que... Ça fait depuis quasiment 2 ans que je couvre Starshield au fur et à mesure que les news sortent. Pour faire simple, le Pentagone, avec la guerre en Ukraine, s'est rendu compte que 1. Starlink était incroyablement pratique et efficace sur un champ de bataille. 2. Qu'on voulait éviter de faire trop confiance à Elon Musk parce que bah, c'est... Hey, ça appartient à Elon Musk. Moi, j'ai entendu à la téloge dire que Musk avait arrêté Starlink pour l'Ukraine. Eh ben, ta téloche, elle raconte de la merde. Je suis désolé. C'est pas les faits. Donc, faut éviter. Ne faites pas confiance à ce que la télé vous raconte. Et allez chercher l'info par vous-même. Creusez. Allez comparer plusieurs sources. Allez voir des gens plus spécialisés que les Mongols de LCI et de France 2. Et. Entre 20 et 23 selon le pas de tir. Ouais, selon les orbites, quand ils tirent de Vandenberg, par exemple. C'est pas les mêmes orbites que quand ils tirent de Floride. Donc ouais, il va pas y avoir, selon les performances qu'ils veulent, ils vont sacrifier de la charge utile, absolument. Donc ouais, écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur Musk et tout, Starlink, l'Ukraine, c'est quasiment à 90% que des conneries de gens mal renseignés qui veulent faire du clic pour dire qu'il était ambigu avec Poutine. Écoute, s'il était ambigu avec Poutine, il aurait pas filé Starlink à l'Ukraine. Tu sais que c'est Musk et Starlink qui ont, sans attendre que personne leur demande, leur ont donné les Starlink à l'Ukraine. Ils auraient pu pas le faire. Ils auraient dit on ne veut pas de Starlink sur un théâtre d'opération militaire. Ils auraient pu le faire, hein. Ils auraient pu dire non, que dalle. On veut pas être mêlé à ça. Ils l'ont fait. Et ils ont attendu un sacré bout de temps avant d'être payés par le Pentagone. Et le Pentagone paye les factures de Starlink. Parce que c'était Starlink et Musk qui payaient de leur poche, le machin. Donc. Blâmer Musk d'être pro-russe est d'une absurdité sans nom. Vraiment, genre c'est factuellement stupide. Voilà, je suis désolé, hein. Donc ouais, parlons de Starshield. Donc en tout cas, le Pentagone veut sa propre constellation, vous voyez? Ils veulent pas dépendre commercialement de SpaceX. Et on peut les comprendre. Ils veulent avoir leur propre outil et ils veulent aussi utiliser leur outil de façon offensive. Musk, il fait ce qu'il veut avec Starlink, mais le Pentagone, eux, sont pas contents que Musk puisse dire non. Donc le Pentagone est prêt à mettre beaucoup d'argent et ils ont développé un contrat qui consiste simplement à développer du Starlink dans l'espace pour le Pentagone, avec la sécurité qui va avec. Vous pouvez vous en douter, c'est SpaceX qui a récupéré le contrat à 90% avec je crois que c'est Lockheed Martin, je crois, 10%. Donc vous demandez aux mecs qui savent faire. Donc ils ont demandé à SpaceX de designer un contrat, donc ce qu'on appelle Starshield. J'en parle souvent. Et le contrat au total était sur du 900 millions de dollars. 900 millions de dollars, ce qui est déjà énorme, hein, mais c'était le plafond de ce programme. Et il s'avère que le programme est gourmand en argent et que le Pentagone a même vu ses ambitions lourdement à la hausse en termes d'emploi. Donc il y a beaucoup de choses dont on ne sait pas. Starlink est utilisé pour l'Internet, mais on sait que le Pentagone rêverait d'avoir de l'imagerie continue. Vous voyez? Quand il y a un satellite qui passe, satellite espion qui passe, il y en a un autre qui arrive et qui prend le relais. Réussir à avoir H24 de l'imagerie du même point. Starshield, c'est ça aussi. C'est pas juste de l'internet. Les capacités, le Pentagone veut faire beaucoup de choses avec Starshield et avec la protection militaire qui va avec. Starlink a eu beaucoup de soucis à cause des brouillages russes, entre autres. Les Russes ont mis beaucoup d'efforts pour brouiller Starlink pour des raisons logiques, hein, de brouiller les communications de l'armée ukrainienne. Et SpaceX avait toute une branche spéciale pour se battre contre les Russes au niveau de la de contrer la guerre ELEC russe. Donc ouais, le Pentagone avait donc ce contrat qui date d'il y a un an. As-tu vu la nouvelle combinaison spatiale européenne? Pourquoi faire? Enfin, je demande à quoi ça sert qu'on ait une combinaison spatiale vu qu'on a
On n'a pas de capsule. On n'a pas d'ambition lunaire. Enfin. C'est comme si tu m'offrais une Ferrari dehors, mais j'ai pas l'argent pour payer l'essence, quoi. Tu vois? Je vais plutôt utiliser le bus comme tout le monde, hein, et le bus, c'est SpaceX. Non, je m'en fous, moi, de la com à 3 balles, de l'ESA. Je veux voir des choses qui vont être concrètes, qui vont être utilisées. Voilà. Il y a des contrats de vol habité qui ont été passés avec Ariane. Écoute, des contrats de vol habité, c'est bien. Ça volera quand? En 2040? Parce que déjà qu'ils n'arrivent pas à tirer Ariane 6, ils vont en tirer une tous les 1 mois et demi, 2 mois, et on en attend encore une autre. Écoute, je souris. Continue à être sur les contrats. Nous, on parle gros sous, là. On parle argent et de choses qui sont déjà dans les tiroirs et qui volent déjà. Je parlerai de Ariane 6 avec une capsule quand je verrai une capsule sur une Ariane 6. Et pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne sont vraiment présents. Donc ouais, Starshield, plafond à 900 millions de dollars. Et cette semaine, on a eu une énorme news qui est sortie, puisque il y avait un espèce de salon à la con du spatial et tout ça. Et visiblement, SpaceX a eu le droit d'en dire un petit peu plus, hein, sur Starshield. Comprenez que les Space Force payent cher pour avoir le contrôle de l'information à 100%. Vous ne pouvez pas balancer comme ça des informations sans que les Space Force vous disent « Ok, vous avez le droit de dire ça. » Et voilà. Donc voilà la grosse news de Starshield cette semaine. Donc le programme, le contrat dont je vous parle, Profilerated Low Earth Orbit Satellite Based Service Programme, on va l'appeler PLEO, d'accord? C'est tout, c'est Starshield, c'est tout le programme de satellites de communication en orbite basse du Pentagone. On va l'appeler PLEO, PLEO, d'accord? On va l'appeler PLEO. Donc le plafond était à 900 millions de dollars. Le Pentagone, le programme de satellites commerciaux via pour Internet, mamamamelin. Explose à 13 milliards de dollars. C'est énorme, hein. Le département de la Défense, le DoD, vient d'augmenter PLEO de son plafond initial de 900 millions de dollars vers une projection d'environ 13 milliards de dollars. 29 octobre 2024. C'est quelque chose d'assez incroyable, mais ça vous montre les ambitions du Pentagone vis-à-vis de Starshield. Donc à la base, ça avait commencé comme du 900 millions de dollars et ça a été étendu. C'est confirmé par le Pentagone et aussi par SpaceX. Le mec en charge de ça à SpaceX, c'est donc c'est tout ce que je vous ai expliqué. Hein. En fait, ils ont déjà claqué tout l'argent. Voilà. Le contrat Pléo, ils ont déjà dépensé 660 millions de dollars de ces 900 de son plafond initial de 900 millions. Et très intéressant, la plupart des commandes ont été faites pour Starshield, la version militarisée de Starlink. Donc c'est SpaceX qui a récupéré le gros de l'argent. Rappelez-vous que SpaceX est sur du 80, allez, du 80-20 sur ce contrat. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? SpaceX vient de récupérer un contrat, le plus gros contrat de son histoire. Puisque c'est 13 milliards de dollars, c'est pour Starshield. Donc si vous mettez les 10-15% de Lockheed Martin dans le lot, vous avez SpaceX qui va récupérer probablement 10 milliards de dollars étalonnés sur les prochaines années. C'est un gigantesque contrat. Et c'est le plus gros contrat de l'histoire de SpaceX qu'ils viennent de récupérer pour Starshield. Ça inclut pas le déploiement de la constellation. Les tirs des Space Force par tranche, c'est encore un autre contrat. Vous voyez le truc? C'est un truc de malade. Alors voilà, c'est ça. Donc la demande grandissante du Pentagone pour Starshield. Alors on vous explique simplement, donc le patron de SpaceX qui gère ça, donc le développement du business pour Starlink et Starshield, c'est Kevin Siebert. Et il vous explique que c'est assez la facilité de bosser avec avec les Space Force et le Pentagone sur le sujet, que eux-mêmes. Il dit pour l'anecdote que dans le contrat de base, du contrat, donc Pléo, le Pentagone voulait que tous les gens soient formés, donc les gens de l'armée qui allaient bosser avec ça, soient formés à déployer Starlink. Et que SpaceX leur a juste dit, non mais les mecs, ça va être tellement simple à utiliser que vous n'avez pas besoin de former les gens. Ça prend 5 secondes à déployer le machin,
on va vous faire un truc super simple. Et l'armée et le Pentagone apprécient énormément la flexibilité de SpaceX. Quand vous êtes habitué à bosser avec Boeing et Northrop Grumman et Lockheed Martin, bosser avec SpaceX, c'est le paradis sur Terre, quoi. Parce que tout va très vite, tous les problèmes ont des solutions. Ils sont pas là juste pour faire durer le contrat, pour générer de l'argent, comme les vaches sacrées du complexe militaro-industriel américain traditionnel. Et vous avez Jeff Rollinson, qui est un consultant industriel à American Defense International, dit que le contrat Pléo est une énorme percée en termes d'application commerciale Starlink pour un besoin militaire et que ça va servir de benchmark, de colonne pour que le for accessing commercial at the speed of the sector. Ça va permettre à l'armée d'avoir accès à des capacités commerciales du civil, mais au même rythme que le civil évolue. Parce que, comme je vous dis, le Pentagone était souvent habitué à travailler avec des acteurs particulièrement lents, et le Pentagone était souvent dépassé par le rythme de la technologie. Et Starlink, Starshield, va permettre au Pentagone, en fait, d'acquérir, d'aller au rythme de SpaceX, en fait, en termes de développement de la technologie. Et ça, ça les intéresse énormément, et on voit qu'ils sont prêts à payer incroyablement cher pour profiter de ça. Voilà. Alors, Rollinson dit aussi que le fait que le Pentagone se focalise sur les communications en orbite basse est extrêmement prometteur pour l'avenir, et qu'il pourrait aussi, comme je disais, possiblement travailler sur des modèles similaires avec l'imagerie par satellite. Comme je dis, Starshield ne va pas juste être de l'Internet par satellite, mais probablement aussi de l'imagerie. C'est un truc de dingue. Hein. Voilà. J'en ai vu passer l'information. Tu vois, ouais, attends, je vais te filer le lien de Space News. Hop. Ah non, c'est tu parles à clochette, d'accord. Blabla, non, c'est pas ça. Ok. Donc, ouais. Hop. Donc, ouais, grosse nouvelle. Hein. Grosse nouvelle. Hein. Non mais, je trouve ça absurde. À quoi bon transformer Ariane 6 au vol habité? Ça va coûter une blinde. Il y a une Falcon 9 pas chère, là, à côté. Les Européens sont à la traîne, à moins d'avoir une fusée compétitive. Bon, après, hey, c'est le contribuable européen qui paye, hein, c'est son argent. Hein. S'il est prêt à foutre des milliards dans Ariane 6, alors que vous avez une Falcon 9 à côté qui vaut que dalle. Google Maps en temps réel. Absolument. Intéressant, hein. Maintenant, pense... Toi, tu penses civil Google Maps, pense aux applications militaires d'avoir de l'imagerie en temps réel de la même zone en permanence. C'est un truc de dingue. Hein. C'est tu verrais tout en permanence. C'est terrifiant, hein. Si certains en douteraient. Hein. C'est une vision assez terrifiante de ce qu'on pourrait faire. Donc ouais, on suivra ça avec attention. On sait que ils tirent souvent. Starshield, on a des tirs de Starshield de temps en temps, ils continuent de tester des nouvelles technologies, de déployer de la constellation, c'est forcément très secret tout ça, hein, c'est du renseignement militaire et tout, donc c'est très secret, mais on est au courant de quand il y a des Starshield qui décollent, généralement c'est des missions NROL, pour NROL c'est tout le département qui touche l'imagerie et le renseignement spatial. Donc quand SpaceX tire pour eux, tranche 0 et compagnie, on sait que c'est du Starshield généralement. Bon, allons à Boca Chica. On sait qu'on a... Aujourd'hui, il y a eu énormément de tankers qui sont venus livrer à Boca. Ça, c'est généralement les signes peut-être avant-coureurs. Les signes avant-coureurs d'un tir. On sait qu'ils vont faire le vol 6. On a ces B13 qui a fait son feu statique. Et on a même S31 qui a aussi fait son feu statique. Donc moi, je suis convaincu qu'ils vont tirer en novembre sur un modèle similaire au vol précédent. Et ils vont juste essayer de refaire la même chose à l'identique, récupérer le booster. On sait que la récupération du booster aurait pu mal tourner. Mais ça s'est bien passé. Dans la vie, faut oser. Hein. La chance sourit aux audacieux. Donc ouais, quelques images. Hein, regardez, ça c'est le deuxième pad et on a la tranchée du deuxième pad qui continue à être creusée. Bon là, ils ont une petite piscine. Hein. Et bah ouais, c'était après l'ouragan, la petite tempête tropicale qu'ils avaient pris. Donc ouais, matez-moi un petit peu la tranchée. Balèze, hein. Donc ouais, c'est des sacrées infrastructures. Tout ça.
Et on avait S33, le premier DV2 que j'avais montré la semaine dernière, parce qu'il était sorti de la méga baie et il était entièrement stacké, assemblé, qui est parti pour masser. Donc l'autre site où ils font tous les essais cryo et tout ça, ils font plus ça sur les pads principaux. Et on a eu des très belles images de S33 avec la comparaison avec S31. Donc on voit bien les différences entre Starship V2, qui va avoir vocation à avoir plus de performance pour aller en orbite, et Starship V1. Donc il fait déjà 1 mètre de plus, donc il y a un anneau en plus. Et vous pouvez voir, regardez, les réservoirs méthane liquide, oxygène liquide ont été étendus. Ils ont probablement perdu de la cargaison pour la charge utile, mais ils ont mis des plus gros réservoirs. Il y aura aussi 3 moteurs en plus, 9 moteurs sur le Starship V2. Donc là, on voit bien la différence lors des essais cryo entre le V2 et le V1. Notez les flaps aussi. Les flaps ont été totalement changés. Ils ont appris du V1 que les flaps, en termes de thermodynamique, ont des gros problèmes lors de la réentrée. Ça s'était bien passé la dernière fois, au dernier vol, parce qu'ils avaient renforcé justement le S30. Et là, on voit que S33 est un tout nouveau design de flap avec beaucoup moins de drag. Donc, qui dit moins de drag, dit moins de chaleur développée, à voir si après le bon fonctionnement. Et belle bête, hein. Belle bête, hein. Attendez, je vais mettre mon... Est-ce que la colonisation lunaire est plus proche que la sortie de Star Citizen? Oh là 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 là, cette question infernale. Écoute, je pense que oui, littéralement. On verra les deux prochaines années, ce que SpaceX va faire avec le ravitaillement et tout. Mais je pense que oui. Oh, c'est terrible de dire ça, hein, les pauvres mecs de Star Citizen. Je pense que oui. Plus le contrat de désorbitation de l'ISS, ça fait beaucoup de sous. Oui, SpaceX a de l'argent. SpaceX a de l'argent. Et c'est très bien. On est content parce que SpaceX, ils bossent dur et il leur faut des thunes. Ce qu'ils font là, en termes de rythme, ça a un coût, d'accord. Si SpaceX va aussi vite, c'est qu'ils ont beaucoup de hardware. Faire du hardware, ça coûte cher. Et le casser aussi. Et les infrastructures ont aussi un prix. D'ailleurs, on a eu des news. Vous savez qu'il y a le contrat avec la NASA et l'atterrisseur. Et il y a une fiche de route très spécifique de ce que la NASA veut de SpaceX. C'est ce que SpaceX doit... On parle quand même de presque 4 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et donc, on n'est pas trop au courant de cette fiche de route. Mais parfois, on a des petits glimpses qui sortent par-ci, par-là. Les mecs de la NASA parlent. Il est difficile de garder un secret. Il y a souvent des grosses conventions avec le spatial. Et les gens balancent un peu des news dans les fiches de route et tout. Et on a eu quelques news qui sont sorties. Et l'année 2025 va être totalement dingue, moi, je peux vous le dire. Puisque déjà on sait qu'il y a des gens qui bossent en permanence, des astronautes, entre autres, à Boca Chica, sur le design intérieur du Starship lunaire. Et c'est vrai que moi, je suis quelques astronautes et je m'étais demandé, tiens, qu'est-ce que Chris Hadfield fout à Boca Chica? Donc Chris, hein, c'est un astronaute Hadfield, c'est un mec plutôt connu, aujourd'hui il est plus en actif. Et il était à Boca. Je me disais, qu'est-ce qui branle à Boca, Chris, comme ça? Et c'est vrai que là, on a eu la confirmation qu'il y a beaucoup d'astronautes américains qui passent en ce moment à Boca pour simplement en tant que consultant avec SpaceX pour le design. C'est toujours Musk qui finance, putain. Les mecs, faut arrêter de raconter des conneries. C'est rentable maintenant, cette Musk. Ça fait bien longtemps que Musk n'a... Enfin, Musk, à part son apport initial dans la compagnie, il a mis, je crois, 40 millions dans... Ça fait longtemps qu'il ne finance plus SpaceX. Mec, ça fait plus de 10 ans que SpaceX, que Musk ne finance plus. Si tu veux voir un milliardaire qui finance, va voir Jeff Bezos. Jeff Bezos, par an, c'est quasiment 2 milliards de dollars de Blue Origin de sa poche. Ça, c'est du financement. Cette manie de voir Musk partout, mais ça j'attribue ça aux médias. Hein. L'obsession des médias pour Musk, ça fait vendre, je pense, ça fait du clic. Musk fascine, je peux comprendre pourquoi. Mais renseignez-vous, putain, avant de balancer des conneries dans le chat. Allez sur Google et allez voir qui... SpaceX, Money, et allez voir qui finance SpaceX et les contrats de SpaceX depuis... Je pensais que la question se posait encore. Oui, en France, oui. Vu que vous êtes complètement des attardés mentaux et que vous êtes gavés de journalistes aigris, forcément, on vous raconte tout et n'importe quoi. Mais comprenez que... Tout ce qu'on vous dit est majoritairement faux. Désolé.
C'est terrible, hein, mais factuellement, quand moi je regarde la télé et que je vois passer du Trump et tout, je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ces tarés? À quel point est-ce qu'on peut mentir aux gens comme ça? Waouh! Je n'ai pas la télé, c'est très bien, il faut pas couper la télé, les mecs. Couper la télé, et ça sera bien pour votre santé mentale. SpaceX est financé par la NSA, l'US Space Force, et maintenant par les ventes de Starlink, absolument. Et par ses contrats de vol aussi, hein. SpaceX tire cette année ses 40 clients privés, dont la Commission européenne aussi rêve d'espace, hein. SpaceX a tiré les Galileo pour 160 millions de dollars de vol, OneWeb, SpaceX tire pour le monde entier et fait rentrer beaucoup d'argent par ses activités de tir et de contrat, entre autres avec la NASA, donc tout l'ISS, les astronautes et tout ça, SpaceX fait de l'argent parce qu'il tire beaucoup. Donc ouais, revenons à nos moutons de Starship. Je me rappelle plus ce que je disais maintenant avec toutes ces conneries là. Voilà. Alors, oui, non, on parlait pas de Star Citizen, putain. À la place, lisez un bon livre, absolument. Là, je suis en train de lire. Non, c'est de la merde le bouquin que je lis, mais j'aime bien le relire de temps en temps parce qu'il y a des informations intéressantes. Lisez un bon livre, ouais, absolument. Lisez un bon livre plutôt que de regarder la télé. Donc ouais. Oui, ça y est, la fiche de route! J'avais perdu le fil. C'est Opaf, c'est ta faute, Opaf, t'as fait exprès! Hein, gredin! T'as fait exprès! Donc ouais, la fiche de route de SpaceX. Non du tout. On a un paquet d'astronautes, donc ça bosse dur, même si nous on le voit pas ça, parce que ça se fait sans aucun doute derrière les rideaux, ça bosse dur sur l'atterrisseur lunaire et sur de ce que sera l'intérieur de l'atterrisseur lunaire. Donc ça, on n'avait pas de nouvelles là-dessus, c'est des bonnes nouvelles. Autre chose très intéressante, vous vous rappelez que à Cap Canaveral, il y a des infrastructures. D'accord? On a une tour, on a une gigantesque Star Factory qui a été construite, et en ce moment, tout ça est provisoirement un peu à l'arrêt. Il y a des news qui sont sorties très intéressantes, qu'ils vont doubler, voire tripler l'espace. D'ailleurs, les travaux vont bientôt commencer. Tout a été fait au niveau environnemental, accepté. Ils vont sûrement doubler, voire tripler la surface de travail à Cap Canaveral. Donc on va sûrement avoir des bâtiments encore plus gigantesques qui vont arriver. Et donc c'est bon signe ça aussi. Dans la fiche de route de ce qui a fuité, la NASA a simplement dit que déjà mars 2025, techniquement dans 4 mois, 5 mois, SpaceX va faire sa première tentative de transfert d'ergol en orbite. De Starship ensemble. Donc on va sûrement avoir un double événement en mars, avril, mai, allez savoir, quand tout sera prêt, avec deux Starships qui vont décoller à très peu de temps d'intervalle pour faire venir s'accoupler en orbite et faire un transfert d'ergol. Alors pour ceux qui ne savent pas, le but est de simplement de préparer des transferts d'ergol en orbite, d'accord? C'est-à-dire d'amener un Starship vide en orbite et d'amener un Starship tanker pour amener et faire un transfert d'ergol. De la même façon que vous remplissez votre bagnole à la station-service. Faire la même chose en orbite. Donc ça, c'est prévu dans la fiche de route de la NASA, et ça, c'est prévu pour mars 2025, c'est officiel, hein. Ce que je vous dis là, c'est pas des rumeurs, hein. C'est confirmé et officiel. Et la NASA a aussi dit, on sait que la NASA avait mis son veto à l'usage trop tôt de Starship au Cape pour des raisons de sécurité. Vous avez vu le monstre que c'est, hein, Starship, et la NASA ne veut pas d'un Starship trop tôt, tant que ce ne sera pas validé en termes de sécurité, en termes de régularité de vol. Et la NASA a simplement dit, quand SpaceX sera capable de faire décoller deux Starships en une semaine de Boca Chica, bah, pour nous, ce sera bon à Cap Canaveral. Aucun problème. Et ça va arriver en 2025. Ils vont avoir deux pads, ça va aller vite. Et tout ce que je vous dis là, de ce qu'on voit comme glimpse d'information à Cap Canaveral, avec tous les plans qui ont fuité des extensions de Roberts Road, c'est le nom c'est là où ils sont, avec le double, voire le triple de la structure. Et ça va construire dans les 6 prochains mois, je pense, voire moins. On va avoir le retour de l'activité à Cap Canaveral et ça va construire. Ils vont sûrement construire une deuxième tour, voire une troisième tour. Ils vont récupérer. Alors pour ceux qui suivent un peu l'actualité de ULA que je couvre régulièrement, on avait la. Putain, j'ai oublié le nom, je vieillis, c'est affreux, la vieillesse. Vous aviez la.
C'est quoi le nom de la fusée du LA avec les trois boosters là un peu comme la Falcon Heavy, mais qui vole plus désormais. Elle a été. La Vulcan va la remplacer. La Delta 4. La Delta 4, pardon, je l'ai trouvé. Vous avez vu, ça revient. La Delta 4 avait son propre pad et SpaceX a récupéré ce pad et. Ils vont en faire la Delta 4 Heavy. Absolument. Merci, Rob d'Espace. Très bon pseudo. Et ils vont convertir ce pad en pad pour Starship. Ça aussi, c'est officiel. Donc on va avoir possiblement la tour qui est déjà en place sera une tour de récupération parce que la NASA veut pas que Starship décolle près du pad principal qui sert aux missions avec l'ISS. Et ils auront un autre, donc ils vont avoir un pad de tir à c'est incroyable, hein, ils vont avoir un pad de tir à Cap Canaveral avec que eux et ils auront un pad de récupération. Les chopsticks, c'est hop hop. Et tu me suis sur Twitter, ah bah voilà, je me disais bien que je te connaissais. Je me disais bien, mais ouais, c'est un petit monde, le francophone de l'espace, on n'est pas beaucoup à suivre l'actu. Alors généralement, tout le monde connaît un peu tout le monde. Bah ouais, on n'est pas nombreux, on n'est pas assez nombreux. Mais c'est bien, en ce moment, il y a de l'engouement. Moi, je suis content de voir que les gens sont intéressés par ça. Et ça ne peut pas ne pas être intéressant. On a la chance d'avoir quand même des trucs incroyables. Et il faut juste le montrer aux gens, voilà. Donc ouais, ça va être l'année 2025. Il y a toujours le risque d'une catastrophe au pad, un Starship qui explose, qui retarderait le programme de 1 ou 2 ans. Le risque zéro n'existe pas. Mais si ça n'arrive pas, l'année 2025 va être folle pour la simple et bonne raison. Ici, c'est le gratin. Alors à toi, et tu te considères comme le gratin, hein, je veux dire, je dis rien, hein, mais... toi, c'est plus gratin dauphinois que gratin élite, hein, mais c'est un autre problème. Hein. Je fais aussi quelques lives. Bah écoutez, s'il y en a qui veulent aller voir Rêve d'espace et qui veulent avoir plus de news du spatial, n'hésitez pas à aller le voir aussi. Hein. Tout le monde, on a tous nos sources. Quoi qu'on va avoir tous des sources un peu parfois similaires et tout ça. Mais bon, qu'importe. Donc ouais, nous sommes l'élite, putain, Galpin. Toi, Galpin, c'est plutôt nous sommes l'élite, hein, plus que l'élite. Hein. Donc ouais, on va avoir une année 2025 assez folle et ça va être cool. Ça va être cool. Donc hâte de voir ça. Et attendez, on malpack sur Twitter, sur Steam. On a de la place si tu veux, putain. J'arrive dans 5 minutes. Je vais aller jouer à Company of Heroes, les mecs. Hop, voilà. Ça tombe bien. J'ai fini. C'était les news. Alors, l'évolution des Starships. Regardez. Pour ceux qui sont intéressés, on peut voir, voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est E2. Vous avez le bloc 2 et le bloc 1. Souvent, de façon voilà, différente de présenter les choses, bien sûr, c'est bien la diversité, exactement. Dans le spatial, moi je suis un peu brut de coffrage, je suis un peu anti-Europe parce que je suis un SpaceX fanboy. Donc voilà, j'en vois chier avec le pauvre clochette à chaque fois qui vient me faire chier avec l'ESA et ses contrats interminables dont on voit jamais le bout. Mais il y en a d'autres qui vont être plus pro-Europe que moi. Donc on a tous nos biais, on a tous nos sources. Mais on a tous un point commun, c'est qu'on est passionné par ça. Et des gens passionnés, par définition, ont toujours des choses intéressantes à dire. Et voilà. Donc ouais, n'hésitez pas à aller voir d'autres gens du spatial qui couvrent l'actualité. Vous avez la Rêve d'Espace, vous avez Hugo L'Histoire, vous avez plein de monde. Il y a SpaceX en français aussi. Si vous voulez voir d'autres choses et d'autres news, il n'y a pas que moi. Voilà. Et la F1. Mais on en a rien à foutre de la F1, la qualif, là, c'est dans 3 heures Quel chieur celui-là. Bon, écoutez, je m'arrête là. Ce soir, 20h, j'irai jouer avec les Dunedin. Alors, en espérant que Twitch ne bug et ne lag pas trop. Ceux qui sont sur Twitch, là, ça dit quoi? Est-ce que ça lag encore? Ça saccade seulement? Ou alors c'est un problème de buffering? Ça vient d'eux? Parce que là, sur YouTube, moi, c'est nickel, en fait. Non, j'ai pas eu de soucis. Ok. Mais t'étais pas là au début du live, Galpin, non? Ça lag plus trop, mais il y a une latence. Ok. Ok, d'accord. Bon, parfait. Je vais pouvoir faire du live. Mais là, c'est bon. Ok. Donc tout à l'heure, il y a eu un petit problème au début du live, c'est ça? Et bon, l'avantage d'être sur YouTube et Twitch, c'est qu'on a la double. Voilà. Il est à fond sur Star Citizen.
Oh ouais, mais Hugo l'histoire, il fait aussi un petit peu de spatial. Il est aussi passionné comme nous de Starship et tout ça. Donc, si vous aimez Star Citizen, c'est une bonne porte d'entrée pour le spatial. Voilà. Tout simplement. Bon, écoutez, je m'arrête là. Semaine prochaine, même heure, enfin même heure. Je reviendrai à mon horaire normal. Et on va croiser les doigts pour un vol de Starship prochainement en novembre. C'était incroyable le dernier vol là. Et que d'émotion. Bon, écoutez, je m'arrête là. Passez une bonne soirée. Peut-être à tout à l'heure. Demain. Merde, attendez, j'ai pas mon planning sous les yeux. Demain, je ferai du Rome 2 en début de journée et je continuerai le run avec les elfes en soirée après le Grand Prix du Brésil.